Top 5 des raisons d'euthanasier Paul McCartney. Raison 5, avant c'était déjà limite des fois. En 40 ans de carrière, je suppose qu'il est plutôt normal d'avoir quelques casseroles. Ex-Beatles ou pas, Paul en a quelques-unes. Des albums qui refoulent et des clips moisis. Les images parleront pour moi. Raison numéro 4, la voix de Paul est en train de mourir. Je sais qu'il vieillit, que c'est normal, mais la voix de Paul sonne comme celle d'une vieille dame qui se bave dessus. Quand il pousse, ça donne ce genre de truc. Raison 3, des clips avec lui en hologramme dedans. Que Papy Paul essaye de faire des clips modernes du futur pour un jeu vidéo, c'est louable. Qu'il accepte d'apparaître dedans sous la forme d'un hologramme, non. Et putain, qui a envie de voir l'hologramme d'un vieux avec une coupe mulet? Des feats de merde avec un handicapé et une poufiasse. J'ai toujours dit que je brûlerais ma collection d'albums de McCartney le jour où il participerait à un album de rap merdique ou s'il chantait avec Rihanna. C'est pour m'éloigner le plus possible de ce genre de truc que j'écoute de la musique de vieux depuis 10 ans, merde. Raison numéro 1, c'est pas parti pour s'arranger. C'est live and let die.